Tu mets un tutu, c'est l'histoire d'une gamine narratrice qui grandit dans ce qu'elle appelle une prison, où il est impossible de parler entre les hurlements de sa mère Novatchok et les silences ambigus de son père Swayze. Or, elle, s'il y a bien quelque chose dont elle aurait besoin, c'est de parler, justement, parce que, en fait, elle a un problème. Il y a dans sa tête une créature qu'elle appelle la monstre et qui l'empêche de tout, qui lui colonise l'esprit, qui l'empêche de dormir, de manger, de respirer normalement, et personne ne la voit. Et elle va être convaincue, enfin, elle est convaincue que le nom de cette chose existe quelque part dans le langage et que c'est seulement en le trouvant qu'elle pourra se libérer. Mes influences, honnêtement, c'est comment les gens parlent, des manières d'articuler une pensée, ça me fascine, n'importe quelle manière de parler. Les patois, les trucs comme ça, enfin tout ce qui est un peu chelou dans l'oralité. La chanson française, énormément. grande fan de karaoké et de punchline d'antan. Et voilà, que des choses courtes, en fait des formules, c'est ça que j'aime. Alors il y a plein de livres que j'aime, mais si je dois parler d'inspiration, c'est plutôt ça.